Assois bien-aimé, nous pourrons rentrer dans la méditation de la parole de Dieu à partir d'un texte où qu'on est très bien. M'invite à ouvrir Bible avec moi dans le livre de Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9, n'a pas considéré verset 14 à verset 27. Marc chapitre 9, verset 14 à 27. Assoya, moi gagne soukèm bien-aimé pour moi parler ou de doute. Et en particulier, message moi, c'est une question. Qui ça pour me faire l'homme gain doute? En tant que chrétien qui a servi le Seigneur, comment le moment de doute présenté devant moi qu'a géré, moi qu'a fait face avec lui? Qui ça pour me faire l'homme gain doute? Regardez plusieurs dictionnaires, il y a une définition générale, il y a un bail de doute. Qui ça doutier? Eh bien, si la foi nous, c'est une ferme assurance nous gagnons, que yon bagay nous espérer li gen pou l'rive, doute lui-même, c'est yon manque d'assurance. C'est yon manque de certitude sous réalisation yon bagay quelconque. Donc, quelque part, à partir de définition sa bien-aimé, ou gen impression doute lan li opposé à la foi. Même ta remè prensam pou m'expliquer nous, gen yon différence la Bible établit. Sous question doute, et nous pourrions gagner en réalité deux catégories de doute. En général, moi-même avec vous, nous pensons que doute, c'est un mauvais bagage. C'est vrai, gagner une catégorie de doute dans la Bible que bon Dieu condamnait sans réserve. C'est doute, il y a un monde qui dit la suivre Christ, mais c'est comme si Mdadou son essai l'a fait avec bon Dieu. L'a cherché un bagage. Mais s'il n'y pas joindre ça l'a chercher à nan men bon Dieu, il est prêt pour l'aller chercher l'un l'autre côté. Il est prêt pour le voyer moun al gade pour lui. Moun ça c'est ça te karele yon moun ki yon pied en dedans, yon pied dehors. Dans Jacques chapitre 1 verset 7 à 8, la parole de Dieu me dit yon moun comme ça, il pas besoin mettre nan tête li, l'a jamais recevoir en rien nan men bon Dieu. Pour qui ça? Eh bien, parce que Jacques dit, c'est un monde qui pas contre sa livrée. C'est un monde qui changeait l'idée dans toute sa la fait. C'est monde ça qui gagne doute. Doute liant vini du fait que l'inan sa nous te carrelé, bien aimé, yon forme d'adultère spirituel. L'inan bon Dieu, mais l'inan monde lan. Ça le pas qu'à joindre nan mais bon Dieu, li pral chercher le côté le qu'à joindre. Si monde ça doute de bon Dieu, eh bien, doute ça, la Bible condamne sans réserve. Et c'est pas de doute, ça n'a parlé à soya. Doute, moi, je voulais parler à soya. C'est un doute, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous tous qui avons servi bon Dieu fidèlement, nous tous qui remets bon Dieu, nous capables d'expérimenter doute ça. Gardez-le, nous capables de demander tête, nous, mais côté bon Dieu, il y a une situation maintenant. Pour qui ça? Ça arrivait famille, hein? Ou quoi bon Dieu après pour une prière ça? Doute ça bien aimé, lisez un bagage qui l'accueille nous tous, que nous sommes chrétiens, que nous sommes monde qui gagne maturité dans l'évangile, que nous avons servi bon Dieu longtemps. C'est un aspect naturel dans la vie nous chaque jour. Doute ça dans lui-même, il n'est pas ni bon ni mauvais, parce que c'est une condition naturelle. Et chrétien capable de gagner le tout. Je nous parle ça à soya. Problème non avec doute ça, c'est façon nous gérer le nous fait face avec lui. Demandons l'ouvrir Bible avec moi dans Marc chapitre 9. On a regardé passage là ensemble. M'a commencé lire dans verset 21, mais moi encourageons l'orgon titan ou cali commencé lire dans verset 14. Jésus demanda au Père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, verset 24,
le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Passage ça, c'est un passage où on est bien. Rapidement, ma bon contexte lit, Jésus prend trois disciples, Pierre, Jean, Jacques, l'aller sur une montagne, l'a prié avec eux, et c'est sous montagne ça qui peut gagner une scène nous relayer transfiguration. Jésus pourrait le changer, Élie pourrait le descendre, et monsieur pourrait le dire, waouh, li bon pour là, on était là. Le Jésus avec monsieur yo descend sous montagne là, reste disciples qui étaient restés en bas, yo vin joignent yo avec un full moon, un full scribe cap discuter avec monsieur yo. Automatiquement, foule là ouais Jésus, yo on ti gens surpris, yo couru pour y aller saluer Jésus. Et Jésus mandé yo, mais de qui ça n'a discuté là? Et il y a un homme dans la foule qui répond à Jésus qui dit le maître. Mais petit garçon non qui possédé par un mauvais esprit. Et chaque côté l'esprit en prend, lui jeter la terre. Timoun nan apkumé parce que c'est thème yo utilisé hein. L'a manger dedans et toute col vin tout raide. Mais moi prier disciple yo pour yo chasser mauvais esprit dans tête li. Et yo pas capable. Et Jésus pour l'adresser disciple pour le dire yo race incrédule qui leur encore m'a prêté parmi nous jusqu'à combien de temps encore. Et puis Jésus pour le dire papa vini avec Timoun. Ça c'est contexte passage là. Monsieur on en discussion scribe yo pas qu'à comprendre pendant y a marché avec Jésus comment fait yo pour ton malade bayo yo pas qu'à guérir. Et Jésus pour demander papa ti garçon combien de temps depuis maladie sans a saccagé ti garçon comme ça. Et dans verset 22 papa bay détail comment maladie en fait ti garçon. On va rentrer dans tout aspect passage là, c'est pas objet méditation. Cependant, m'ta rien remarqué l'esprit qui soutient nom nan c'est pas une maladie naturelle parce que li choisi jouer avec émotion li. Il choisit jouer avec corps physique li, l'elle prend li jeter le dans du feu. L'elle prend li laguer le dans de l'eau pour voir s'il t'a tout yé li. Et puis papa pral dit Jésus, si ou capable, t'en prie, portez-nous secours, gain pitié pour nous. Et dans verset 23, Jésus pral reprendre papa pour le dire comme si m'tendou dit si m capable. Et Jésus pral faire déclaration ça, tout est possible à celui qui croit. Et mes versets qui intéressent pour assoyer bien-aimé. Tendez bien sa papa Tigasson en répondre. Aussitôt la parole de Dieu nous dit, papa Tigasson en crié, moi quoi Seigneur, pour te me secours, non manque deux fois moins. Pour te me secours, non incrédulité moins. Et c'est sous ça que t'as aimé parler assoyant, sous question doute. L'on regarde passage là bien, on comprend que ou non ou devant un papa qui est dans une situation de détresse. Il tendait parler de Jésus, son monde qui a fait pile miracle, mais en même temps, quelque part situation là, il semblait une situation désespérée pour qui ça? Parce que premièrement, c'est pas une situation qui commençait à y là. Le Jésus posait la question, Jésus demandait mais depuis qui combien de temps il nomme dans comme ça? Il dit Jésus, c'est depuis le timoun, li comme ça. Depuis le timoun. Donc, c'est la première raison qui fait papa ça nous qu'à comprendre que le nom situation de désespoir. Donc, à imaginer que le passé tout côté, il peut-être allé joindre scribio qui a enseigné dans ton plan. Il peut-être allé joindre moun qui dit yo connaît bon Dieu à Jérusalem pour yo aider. Tout côté le passé, il pas joindre aucune solution. Il se trouve que l'étendait parler de Jésus, lui-même rivé prend contact avec disciple Jésus. Le pote ti garçon bay disciple Jésus, même disciple Jésus pas ka fan rien. Alors nous ka seulement imaginer
dans quel niveau de désespoir papa ça y est. Et parole li pral dit Jésus à mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole ou qu'a senti dans parole ça, qui qualité poids, qui qualité fardeau papa ça poté. L'œil dit Jésus, sou capable. Pas forcé parce que mais c'est toute bagarre déjà. Sou pas capable faire m'a comprendre parce que tout l'autre yo tout pas ka faire. Tout l'autre mental wayo, c'est même résultat pas grand rien sorti. Ça veut dire on prête pour me résilier. Lors non situation de désespoir ou presque pas ka faire exigence encore ou presque c'est so joint nous prend. Et mais c'est ça m'a comprendre qu'a passé là dans situation ça. On remarque papa a pas fait Jésus trop exigence parce que il commence à dire tête li gen finalement petit moi c'est comme ça l'a mouri. Depuis le petit monde, li comme ça nous pas connait l'âge jeune homme non. Mais gen de commentateur qui pensait son jeune homme qui gen temps qui était 18 a monté dans 20 yo. Si depuis le petit monde li comme ça au moins il fait 15 ans comme ça. Pour pipiti. Donc papa dit Jésus, sou capable. Et Jésus pral dit tout bagay possible pour moun ki kwè. Et m'ta remè l'église ou pran son pour comprendre ça Jésus fait là. Jésus avant guéri malade là, li adressé situation de désespoir papa. Le papa dit Jésus sou capable, Jésus pa pran ça pour l'estomaquer. Jésus pas dit mais on pas t'entendre parler de moi. Jésus pas dit mais soit vinn faire là ou oser mettre en doute ou pas qu'on a qui est soit parler là. Jésus comprend niveau de désespoir lié ya. Et Jésus pral encourager dans doute li. Jésus pral encourager pour dire tout bagaille possible pour monde qui croit. Tout bagaille possible pour monde qui croit. Et là encore une fois mes bien-aimés, pas ta remon raté réponse Jésus. Parce que Jésus voulait mettre l'en position pour le connaître que toute bagaille pas fini. Jésus pas voyer le jeter avec doute lio. Jésus dit, ou mettre fond posé. Connait yon bagaille. Toute bagaille possible pour monde qui croit. Et moi-même dans verset 24 l'en réponse papa jeune homme non. Papa jeune homme nan dit Seigneur moi quoi mais tant prie pour te me secours nan manque de foi moi tant prie pour te me secours nan incrédulité si me bien comprendre bien aimé texte ça la foi avec le doute pas opposé le moins gagne la foi ça pas vle dit pour ça moi pas ka gen doute moi gagne doit gagner la foi moi gagne quand même un certain doute. Doute moins gagnant pas nécessairement annuler la foi. Et c'est attitude moi pral gagner vis-à-vis de doute là qui pral conduire vers une foi affermie, vers une foi qui vient encore plus fort. Et Jésus connaît ça, c'est ça qu'elle fait le pas voyer non nan jeté. Li fait non nan connaît ou nan bon place. Ou vient demander bon monde ou seulement besoin quoi. Non nan fait long aveu, non nan reconnaître niveau de foi le petit, il dit oui moi quoi, mais s'il te plaît augmenter la foi. Et c'est là le Seigneur Jésus a tant moi-même avec ou bien-aimé. Nom nante car dit am tellement commence tant de parler de où moi qu'on non capable. Il te ca dit ça mais en réalité il pas tap sincère avec Christ parce que c'est pas dans condition ça, c'est pas là l'état esprit lié. Lor bon ti mounou depuis petit qui levé dans condition ça. Ou pas qu'a fait comme si ou c'est moun sa qui pis spirituel passe tout moun. Quelque part c'est humain tout. Quelque part qu'a gen doute qui traverse ou. Et le Seigneur Jésus pas gen problème avec ça. Quelquefois ou qu'a dit Seigneur, mais pour qui ça Seigneur? Tant ma prière ou moins mando touche le pour moi. Pour qui ça Seigneur? Oui ou qu'a mandé le. Jésus connaît état l'esprit déjà. Li konnen nan ki kondisyon cœur ou yé déjà ou pa ka kache l. Tout ça moi-même avec ou gen pour nous faire bien-aimé, c'est vini honnêtement devant Christ. Ti Seigneur ou faiblesse moi. Seigneur, ça m'a pas duré en li dur. Moi quoi c'est vrai nan ou?
Mwen pa moun sa ki yon pye an dan, yon pye de yo. Si ou ta deside pa fè sa pou mwen, Seigneur, mwen pa pral an ken kote. Parce que c'est ou même ki genye sous la vi yon an ou. Mais Seigneur, ou e ta, edem nan febles mwen. Mwen pense mwen même avec ou, très souvent nou kon ap pale de doute, comme si nou pa gen doute la nan nou. Mais en réalité, si nous honnêtes, nous tous qui soulignent nos bien-aimés, nous gagnons des moments de doute. Les manifester sous plusieurs formes. Les venir sous toutes gens. Les gagnons, c'est par rapport à famille, par rapport à timoun, par rapport à un bagage où t'es espéré. Moi, c'est autant de frères gens là qui disent, les gagnons devant bon Dieu, ils ont bu. Bah, qu'on est combien de temps gagnent bu ça devant bon Dieu. Ça pas taper ton aime s'il t'arrive en côté pour le dire, ou quoi ça a besoin de réaliser. Son forme de doute. Mais Jésus-Christ pas gen problème avec ça. Au contraire, l'a dit vini avec doute ou a. Mais qu'on ait un seul bagaille. Moi c'est alpha, moi c'est oméga. Moi c'est bon Dieu commencement, moi c'est bon Dieu la fin. Pas gen rien qui est possible à moi-même. Nom nan te vini devant le Seigneur sincèrement. N'ta remè bon deux exemples de doute dans la Bible qui pour faire comprendre que doute ou a. C'est pas lik problème non, c'est façon pour al gérer doutou an. Ou ka prend verset 1, nous pas pral entrer dans les détails dans Jean 20 chapitre 24 à 29. Nous gon exemple qui sont exemple extraordinaire mais bien-aimé. C'est l'exemple de Thomas. Thomas nous connaît c'est un des 12 disciples Jésus-Christ. Thomas tendait disciple dit mettre là Seigneur ressuscité. Thomas, le Jésus t'a fait première apparition devant les disciples pas là. Monsieur dit quant à moi-même tout autant pas ouais à deux yeux ma clouyo. Tout autant pas fourré douette moi côté au TPS c'est là pas grand rien qu'a fait quoi. Doute Thomas, t'a vraiment remarqué un bagaille. Doute Thomas, c'est un doute qui chita toujours dans plan côté bon Dieu qu'a transformé. Pour le faire arriver dans niveau de foi le veut arriver. Pour qui ça me dit ça? Parce que doute Thomas n'est pas éloigné de l'autre disciple. Au contraire, moi j'ai l'impression pendant Thomas pas fin connaître, il est toujours dans discussion avec disciple sur résurrection maître là. Il est tellement dans discussion jusqu'à ce que yon bon le Jésus paraît pour le faire Thomas well. Et remarquez le Jésus fait Thomas well bien-aimé dans texte là, il pas réprimandé Thomas. Il pas voyé Thomas jeté pour dire Thomas ou pas fait partie de disciple moi encore parce qu'on osait douter malgré m'té dou ça m'té gété annoncé m'a ressuscité ou osait douter donc ou pas disciple moi encore non. C'est pas ça Jésus fait. Ça Jésus fait bien-aimé, il confronté Thomas dans doute lio. Et il dit Thomas vini. Et lui montrer Thomas mais percé yo. Lui montrer Thomas effectivement lui vivant éternellement. Et ça me darait mon comprendre dans exemple Thomas, c'est doute Thomas yo même parce que lui bien traité yo, parce que lui bien géré yo, parce que le connaît comment pour le faire face avec yo qui pral conduire dans une pi belle confession la foi qui gagne dans toute Bible là. Le Seigneur Jésus fin dit Thomas ça ou met moyen. Thomas pral fait confession ça, il pral dit mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. M'a comprendre bien bien-aimé dans le Seigneur. Doute ou a, c'est gen droit bagaille qui pral kondrou vers niveau de confiance ça. Bon Dieu vlo gagner. Doute ou a, façon gérer, façon traiter. C'est lui-même qui a mené en ayant hauteur dans marche ou avec bon Dieu, peut-être ou pas de jambes rivées. Et le Seigneur Jésus pas de problème avec ça. Ça, c'était pour exemple Thomas. On regarde le deuxième exemple, te promets-toi rapidement. Dans l'Ancien Testament, on somme que nous tenions la chance de méditer sous lui, c'est le psaume 73. C'est l'exemple d'Azaph. Ou comme qui est Azaph teye? Azaph, c'était un lévite. Que David t'est nommé pour le musicien au service du Seigneur dans le temps.
Et Asaph, il écrit plusieurs dans son mio, somme 73, c'est yon la dan yo. Asaph y vont côté, Asaph senti li découragé. Asaph senti, mais finalement, gen le servi bon Dieu pas utile moi en rien. Asaph dit dans son nom, mais gen le c'est pour grand Messie, m'a fait tout ça, m'a fait yo là. Gade je m'a servi la caille bon Dieu. Gade je m'a levé bonheur, m'a fait en pile répétition, m'a préparé chant yo pour mal chanter pour Seigneur ya. Et puis gade, le m'a gade vivre. J'ai l'impression vim c'est bac la fait alors que le m'a regardé vim moun ki pa konn bon Dieu yo vim moun ki pa bay bon Dieu régler en rien pour li yo le m'a regardé vim moun sa yo tout bagay nan vie yo semblé ap marcher yo semblé joindre réponse à toute question yo semblé pas jan malade moun sa yo alors que c'est moins k'ap servi bon Dieu. Yo semblé tout ça yo besoin vinn joine yo sou yon plateau d'argent. Asaph senti le bouleversé. Asaph senti gon bagay ki pa fin chita. Et l'on appli somme nan. Serviteur pral di tout doute sa yo, tout question yo, tout préoccupation yo, yo pral éclairci le m rentré la kay bon Dieu. Le m rentré nan temple m vinn comprendre. Tout sa mwe yo la, se pou yon titan. Tout pense m'pense bagay méchant yo ap mache. Moun kap fe bagay ki mal nan zye bon Dieu yo, se yo kap prospere. Tout bagay sa yo, mwen pa ko gade yo nan perspektiv l'éternité. Le m gade yo nan perspektiv l'éternité, m vin kompran. Méchant li la seulement pou yon titan. Pou yon titan, l'ap joui de bagay sa yo. Mais tout bagay sa yo, yo gen pou yo passé. Et méchant, li pral gen pou le répondre. Et c'est le sa m comprendre ki kalite grâce mwen recevoir nan men bon Dieu. Exemple, Asaph la bien-aimé, c'est yon lot exemple. Yon serviteur kap servi bon Dieu fidèlement. M'pa palo yon moun ki yon pied en dedans, yon pied de yo. M'pa palo de yon moun ki voye al gade pou li parce que s'il pa ale, il pense l ka voye al gade. M'pa palo de yon moun ki seulement gade assiette bon Dieu au lieu de gade bon Dieu lui-même. M'pa palo de yon moun kap servi bon Dieu fidèlement. Mais qui trouve le nom situation li gen doute. Encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes humains. Bon Dieu connaît, n'ap genye kek doute. Mais li mande nous, le nou gen doute yo, pour nous vin jwenn li. Nan ka pa Thomas, ça li fait, li rete avec disciples yo. Malgré le doute lan, li pa dépayser tête li. Li pa al chercher voisin voisine qui pa konn bon Dieu pour l'al parler de doute là. C'est un nan pi gwo erreur moi même avec ou te ka fait. Le nou gen de doute de bagay k'ap traverser nous, au lieu de rete dans le corps de Christ, au lieu de chercher lien yon ak lòt, nan jwenn un moun ki pa même konn bon Dieu, yon païen. Et c'est lui qui a raconté cause nous. Dans l'exemple Thomas, c'est pas ça le fait. Thomas était avec disciple, c'est vrai il gain doute là, mais il connaît place lui, c'est l'allié. C'est dans présence bon Dieu avec les autres frères et sœurs, il connaît c'est là il qu'a une réponse à doute liant. Dans l'exemple Asaphlan de manière encore plus claire, Asaph connaît que il pas qu'a une réponse préoccupation là l'autre côté que dans le sanctuaire li pa chercher réponse préoccupation là sous télévision li pa chercher auprès du roi David li pa chercher dans le palais royal. Asaph comprend clairement seul côté li ka joine une réponse là c'est dans le sanctuaire. Ça gagne dans sanctuaire là dans le sanctuaire mes bien-aimés dans le Seigneur il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Mais ça me tarait mon kembe aswe à nos méditations ça. Bon Dieu connaît doute ou yo. Parole bon Dieu dit avant même que nous l'ouvri bouche nous. Bon Dieu te getan connaît qui sa kap souti nan lèv nou yo. Nous pas ka kachan yen pour bon Dieu bien-aimé. Nous met présenter nous tout ou nu devant, honnêtement, sincèrement, l'ouvri cœur nou bali. Dis le Seigneur, me senti faible.
Seigneur, me senti déconnecté. Seigneur, me senti failli dans marche là. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Si vous êtes chrétien en vous, ou pourquoi je me fais prière ça, quelque part me senti soit son problème d'honnêteté, soit son monde moi-même personnellement me ta doit venir joindre pour me pour aider me comprendre parce que moi-même en tant que chrétien, jeune frère qui a servi le Seigneur, bien-aimé, il y a des moments où je me sens vraiment découragé. Même qu'on est dans le découragement, je dois sentir la présence de bon Dieu éloignée, c'est vrai. Je dois sentir bon Dieu prendre distance, c'est vrai. Mais pas un meilleur côté pour m'aller dans le pied. Bon, je dois deux choses pour faire. Sinon, trois. Lorsque senti ou un doute, l'on senti présence bon Dieu t'a semblé éloigné, l'on senti prier yo pas gain réponse, l'on commencé gain quelques questionnements. Mais ça pour faire, continuer chercher bon Dieu, premier bagage. Continuer chercher bon Dieu. Fais même Jean Kazaf, fais même Jacques Thomas, pas les causes ou à monde qui pas connaît bon Dieu. Allez dans le sanctuaire, allez dans la présence de Dieu, continuer chercher bon Dieu. Parce que soit chercher hein, c'est lui-même seulement kabaoul. Disciples dit Seigneur, mais côté pour n'aller, c'est vous-même qui gagnez la vie. Continuez chercher bon Dieu. Deuxième bagaille pour faire, faut examen de vous-même. Si d'aventure, moi dis bien, si d'aventure, t'as gagné un bagaille dans vie ou besoin de mettre en phase avec bon Dieu. Si t'as gagné un péché, ou dois confesser. Parce qu'on connaît un péché à gagner, fait ça tout dans la vie nous. Péché gain effet pour le faire nous sentir bon Dieu éloigné nous. Ça fait li important si nous gon bagaille dans vie nous pour nous toujours aller devant le Seigneur dans la confession. Donc deuxième bagaille, sous fond examen senti gon bagaille ou t'es fait le Seigneur. Soyons bagaille ou t'es pensé ou t'es dit, quelle que soit nature péché a. Et le Saint-Esprit bon Dieu a convaincu aller côté bon Dieu dans la prière. Et l'on fin prier ou fin confesser péché en accepter par la foi le pardon que le Seigneur bail. Brali toujours l'ouvrir, bien-aimé, pour pardonner petit li. D'ailleurs, sous senti présence bon Dieu et kateo, après yon baga ou fait, c'est justement parce qu'on en plan bon Dieu. Moun ki pa konnen bon Dieu, le péché le pas même conscient de ça, le pas konnen ça. Parce que Saint-Esprit pa travaille dans li. Sous senti présence bon Dieu et kato, c'est signe que bon Dieu a l'œuvre dans la vie ou confessez. Et accepter pardon, bon Dieu bail. Et troisième bagaille, tende bon Dieu avec patience. Tende bon Dieu avec patience. Encore une fois, bien-aimé, lorsque senti bon Dieu éloigné, continuez à chercher bon Dieu. Deuxièmement, sous senti bon bagaille, ou besoin confesser et accepter pardon. Troisièmement, tende bon Dieu avec patience. Continuez marche. Parce que quitte m'dou, bien-aimé, c'est dans le sanctuaire, c'est dans la présence de Dieu. Ou ap jouen réponse à tout ce qu'a fait face. Sou pas moun ki vin fait tikout la kaye bon Dieu. Sou pas moun ki vin essayer bon Dieu. Sou se moun ki dit, Seigneur, m'bagan ken l'autre côté m'pralé. Sou se moun ki kon chante cantique ça qui dit, Seigneur, ton couillon crayon, m'vle fini nan men. En bon met gen certitude. Doutou yo là pour yo rapprocher davantage de bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés. Soyez confiants dans le Seigneur. Li rele nous pour le conduire nous jusqu'au port et nous mettre gain assurance. Parole li fidèle et promesse li la pas accomplir dans la vie. Donc, qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse.